Le Black Saturday Emergency Committee réclame le départ du vice-premier ministre et ministre des infrastructures publiques Anil Bachchu après les inondations du 30 mars qui ont fait 11 morts. En sus du départ d'Anil Bachchu, ce mouvement, qui a tenu une manifestation devant l'hôtel du gouvernement lundi, demande au ministre de déclarer ses avoirs. Nous avions lancé un ultimatum au ministre des infrastructures publiques pour qu'il démissionne. Ce délai a expiré à 11h lundi. En mars 2008, 4 personnes ont péri lors des inondations à Mongou et le 30 mars dernier, 11 personnes sont mortes. Vu qu'Anil Bachchu refuse de démissionner, nous allons intensifier nos actions. Nous réclamons une commission d'enquête élargie, présidée par un ancien juge de la Cour suprême avec des pouvoirs accrus. Le Premier ministre devra aussi assumer ses responsabilités afin qu'il n'y ait pas de cover-up, insiste Salim Mouti, coordonnateur du Black Saturday Emergency Committee. Selon lui, l'opposition ferait preuve d'inaction sur le terrain. Il demande à celle-ci de cesser de se contenter de discours qui n'apportent aucune solution. Sollicité pour une réaction, Anil Bachchu a fait comprendre qu'il ne ferait pas de commentaires. Responsable, gouvernement. Responsable, gouvernement. Responsable, gouvernement.